Bonjour à tous, merci d'être tous là, très impressionnés du public d'abord, mais aussi très impressionnés, je me présente, je suis Nicolas Rebière, rédacteur en chef de La République et l'Éclair, et donc journaliste, et donc très impressionné de recevoir quand même un grand nom de la presse française. Je ne sais pas si tout le monde se rend compte, mais ce n'est pas donné à tout le monde de créer deux journaux, mine de rien, et surtout à lire vos deux tomes de ses mémoires d'outre-vie, dont vous voyez un exemplaire ici, ça c'est le tome 1, surtout de recevoir quelqu'un qui a vécu et raconté en reportage, comme grand reporter, sans doute les plus grands événements de la fin du XXe siècle, et on parlera ensuite du XXIe peut-être. Jean-François Kahn, qu'est-ce qui vous a poussé finalement à vous lancer dans ces mémoires d'outre-vie, alors que finalement ces événements vous aviez déjà racontés dans les journaux pour lesquels vous travaillez? Parce que j'ai pris conscience de quelque chose, à un moment. D'abord, que je suis né avant-guerre. Alors, si quelqu'un ne dit pas « vous ne le faites pas », je le gifle. Donc, je suis né avant-guerre, donc j'ai connu l'avant-guerre, la guerre, l'occupation, et une expérience que peut-être d'autres ont fait en 42-43. Mes parents m'ont placé dans un, m'ont caché, si j'ose dire, dans un village en Indre-et-Loire, et j'ai connu la France du XVIIe siècle. C'est-à-dire, rien n'avait changé depuis le XVIIe siècle. On n'avait pas l'électricité, par exemple. On était avec des lampes à pétrole. Il n'y avait pas. On allait au puits, etc. Il n'y avait pas de voiture. Et ce qui, pour moi, d'ailleurs, symbolise le fait qu'on était au XVIIe siècle, c'est qu'il y avait une omniprésence des bœufs. Les charrettes étaient traînées par les bœufs. Ben, les bœufs, il n'y en a plus. Où sont les bœufs? Qu'est-ce qu'on en a fait des bœufs, d'ailleurs? On les mange. C'est bonne réponse. Mais non, on ne les mange pas du tout. Ce qu'on mange, c'est des vaches qu'on appelle des bœufs. Mais ce n'est pas des bœufs, c'est des vaches. Non, on ne mange pas les bœufs. Non, ils ont disparu. Enfin, bref. Et j'ai connu la libération, etc. Et à partir de l'année 57, ouais, tous les événements qui se sont passés à l'étranger en France, ou en France, sauf un, important, hein, qui ont façonné notre monde d'aujourd'hui, pour le meilleur ou pour le pire, j'étais tous vécus de l'intérieur. C'est-à-dire, j'ai couvert la guerre d'Algérie, j'ai couvert la guerre du Vietnam, j'étais à Pékin au moment de la révolution culturelle en Chine, j'étais au Chili au moment du coup d'État de Pinochet, enfin, je pourrais multiplier les exemples. À part la révolution portugaise, que je n'ai pas du tout vécu, j'ai tout vécu. Et donc, je me suis dit... non pas raconter ma vie, ça n'intéresse personne, mais j'ai traversé un siècle en étant, et je suis le dernier vivant, je crois qu'il n'y en a pas d'autre, qui a vécu l'ensemble de ces événements. Vous avez quelqu'un comme Edgar Morin, qui est plus vieux que moi, par exemple, mais qui n'a pas vécu l'ensemble de ces événements. Donc je dois être le dernier vivant à avoir l'expérience de ces événements. Donc je me suis dit, bah, autant l'écrire, quoi, cette traversée du siècle. Alors... Vos mémoires d'outre-vie commencent par une longue réflexion qui va servir de fil rouge, finalement, à tout cet homme. C'est une interrogation sur la mémoire. Et c'est des interrogations passionnantes parce qu'on pourrait croire que vous vous souviendriez de tout. Et finalement, vous rendez compte, quand vous retournez, vous dites sidéré, que la mémoire est pas... c'est quelque chose de très malléable, finalement. Bah, d'abord... Alors, sidéré, je suis sidéré, parce que je n'avais pas pris conscience d'avoir vécu tout ça. C'est ça qui m'a sidéré. Mais vous savez, on parlait de l'envie de vivre. Vous savez, la mort est très importante, parce que s'il n'y avait pas la mort, il n'y aurait plus personne de vivant. Forcément. Parce que s'il n'y avait pas la mort, il y aurait tellement de monde depuis des milliards d'années, des millions d'années sur Terre, que tout le monde serait mort. Donc, c'est grâce à la mort qu'il y a des gens qui vivent. Et ben, c'est la même chose pour la mémoire. C'est-à-dire que si on se souvenait de tout ce qu'on a vécu depuis l'enfance, alors qu'on a mon âge, on ne se souviendrait plus de rien, tellement il y aurait de choses qui se bousculeraient. Donc, la mémoire n'est possible que parce qu'il y a une hiérarchisation et un tri. Mais une fois qu'on a dit ça, le tri, c'est pas... la mémoire ne se tire pas la courte paille. C'est « Ah, je retiens ça, je retiens pas ça ». Qu'est-ce qui fait qu'on retient ça ou qu'on ne retient pas ça? Ça, c'est intéressant parce que, alors on peut dire, on retient que ce qui est à votre avantage. Oui, par exemple, Jules César, quand il écrit ses mémoires, La guerre des Gaules, tout est à son avantage. C'est d'ailleurs très important, je fais une parenthèse, que Jules César raconte que des choses à son avantage,
Parce que comme il a l'intention d'arriver au pouvoir, d'abattre la République romaine et d'arriver au pouvoir, il faut qu'il montre qu'il a vaincu un ennemi extrêmement puissant, des guerriers absolument redoutables, des chefs de guerre absolument remarquables. Et en l'occurrence, c'était les Gaulois et Vercingétorix. En vérité, ils étaient nuls, c'était de très mauvais soldats, et Vercingétorix était un très mauvais stratège. Mais c'était l'intérêt de César, parce que s'il avait vaincu des soldats nuls et un stratège nul, c'est pas à son honneur. Donc, dans la guerre des Gaules, il nous donne une vision absolument magnifique de la courage des Gaulois, du génie de Vercingétorix, etc. Parce que seulement, il y a peut-être ça dans les mémoires. C'est-à-dire qu'on retient ce qui a l'avantage. Mais d'un autre côté, moi, j'ai une expérience qui est quand j'étais tout jeune, enfin, quand j'avais 13 ans ou 11 ans, je ne sais plus, j'étais pensionnaire dans une école, un collège, et il y avait un casier, un jeune qui avait mis un peu d'argent, et j'ai volé un billet d'argent. J'ai volé. Prescription. Hein ? Il y a prescription. Ouais, j'ai volé cet argent. Eh bien, vous ne pouvez pas imaginer comment le fait d'avoir volé m'a poursuivi toute ma vie. Toute ma vie, il y a quelque chose dans ma tête qui a résonné, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Et j'ai compris pourquoi l'image de l'œil de Caïn qui est dans la tombe de Victor Hugo. Et pourtant, je suis maintenant incroyant. Et bien que étant incroyant, je suis absolument convaincu qu'il y a quelque chose d'inexplicable qui fait qu'un échec, pourquoi un échec ? Une trahison, pourquoi une trahison ? Un vol, pourquoi un vol ? C'est quelque chose qui peut vous travailler, quelque chose qui peut vous envahir de façon extraordinaire. Eh bien, je crois que, en fait, qu'est-ce qui fait ? Est-ce qu'on retient le meilleur ou le pire ? Je crois que, pour le coup, c'est la personnalité qui joue. Et que, selon que vous reteniez ça ou ça, on peut décrire la personnalité d'un personnage. C'est-à-dire, au fond, c'est ça, être un personnage optimiste ou un personnage pessimiste. C'est que vous avez tendance à retenir le meilleur ou retenir le pire. Comment vous avez travaillé, justement, pour retenir les souvenirs que vous relatez dans ce livre ? Vous aviez des notes ? Vous vous êtes dit ça historiquement, c'est plus important que ça. Comment vous avez travaillé pour ces mémoires ? J'ai travaillé d'abord jusqu'à 57. J'ai essayé d'interroger ma mémoire. Après, il se trouve que j'ai écrit, j'ai pris des notes, j'avais plein, donc c'était facile. Avant, c'est difficile. Il faut que vous l'interpelliez, votre mémoire. Pour toutes les raisons que je viens de dire, il faut l'interroger, il faut l'interpeller, il faut la critiquer. Mon premier souvenir, c'est pendant la guerre, 41. Jardin du Luxembourg, un kiosque, un orchestre de l'armée allemande qui joue de la musique. Et je me souviens très bien de ça. Un orchestre de l'armée, de soldats de l'armée allemande qui joue de la musique. Ils jouent une symphonie de Schubert, qui est la marche militaire de Schubert. Ça, c'est dans ma mémoire. C'est ancré dans ma mémoire. Et puis, quand j'écris le livre, tout à coup, j'avais 3 ans, comment je peux savoir ce que c'est qu'une marche militaire de Schubert ? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que oui, je me souvenais de l'orchestre militaire dans le kiosque, mais je l'ai sonorisé après coup. C'est-à-dire, comme il était sans le son, ben j'ai mis le son, sans m'en rendre compte, mécaniquement. C'est-à-dire, bien plus tard, j'ai écouté la marche militaire de Schubert et je l'ai collé sur mon souvenir de ça. En 44, je suis à la campagne, dans la campagne dont je vous parle, on n'a jamais vu d'Allemands. Ils ne sont jamais à pour dire que j'ai aucune raison qu'ils aillent dans ce village, ça n'avait aucun intérêt. Mais il y a les Allemands qui remontent après le débarquement, qui remontent vers l'Atlantique, et tout un convoi militaire allemand remonte. Et à ce moment-là, la chasse anglaise arrive et les extermine, avant qu'ils arrivent dans le village, extermine la colonne. Alors, entre parenthèses, les choses qu'on ne raconte pas, c'est que les enfants, dès le lendemain, sont partis pour récupérer tout ce qu'ils ont pu récupérer sur les cadavres des soldats tués. Vous en étiez, hein ? Ça fait 2 vols. Moi, j'étais tout plus petit pour y aller. Trop petit, mais j'aurais été plus grand, j'en sais rien. Et alors, mon souvenir, c'est que sur le toit de la maison, on était en surplomb, ma maison, sur le plan de la maison, on met des fauteuils et on regarde le spectacle de ce bombardement. C'est tout à fait vrai que j'ai vu le spectacle de ce bombardement. Mais après, quand j'y suis retourné dans ce village, je me suis aperçu que le toit, il est comme tous les toits des maisons, c'est-à-dire comme ça. On ne pouvait pas mettre de fauteuils. Eh bien là, dans ma mémoire, comme c'est un spectacle, et qu'au spectacle, il y a des fauteuils,
Eh ben, c'est colté dans ma mémoire le fait que, puisque c'était un spectacle, il y avait des fauteuils. Et voilà, il y a tout un aspect comme ça, non pas de reconstitution de la mémoire par elle-même. C'est-à-dire que je crois que la mémoire travaille, elle se travaille elle-même en dehors même de la pression que l'on mène sur la mémoire. Alors en plus, j'ai 10 ans après la chute d'Hitler, donc en 1955, j'étais en Allemagne. J'ai rencontré beaucoup d'Allemands, 10 ans après. Tous avaient été opposants à Hitler et résistants. Et on peut rire en disant, quelle blague. Mais ils ne mentaient pas. Et je vais vous dire pourquoi ils ne mentaient pas. Ils avaient vécu la propagande hitlérienne, unilatérale. Unilatérale, donc ils y croyaient, beaucoup y avaient cru. Puis tout à coup, ils vivaient l'inverse. La découverte de l'horreur absolue, les camps, les massacres, l'antisémitisme. Et se dire, on a accepté ça. Se dire, on n'a rien à dire contre ça. Se dire, on a peut-être voté pour ça. C'est insupportable. Et donc, ils ne pouvaient survivre mentalement, intellectuellement, que si ils s'imaginaient, mais vraiment, que s'ils arrivaient à se convaincre absolument qu'ils avaient été résistants. S'ils n'arrivaient pas à se convaincre qu'ils avaient été contre et résistants, c'était insupportable. Donc, ce n'était pas un mensonge. Ce n'était pas vrai, mais ce n'était pas un mensonge. Donc, c'est ça aussi le travail de la mémoire sur elle-même. Vous racontez à peu près la même anecdote en Union soviétique, 60 ans après la Révolution. Plus personne ne se souvenait de Trotsky, même des témoins directs. J'ai vu des jeunes gens qui avaient 20 ans du côté communiste, hein, du côté des révolutionnaires, qui avaient fait la révolution bolchevique. Tout le monde sait que c'est Trotsky qui était l'organisateur omniprésent et tout. La propagande avait nettoyé leur mémoire, qui fait qu'il n'y en a pas un seul qui se souvenait d'avoir vu, entendu parler d'un certain Trotsky. Donc, mais moi, par exemple, en 1944, ça, c'était quelque chose qui a été très fort dans ma mémoire. En 1944, je suis chez moi, à Paris, dans l'ascenseur, et avec ma mère et une voisine qui s'appelle Madame Legros. Et comme Madame Legros est grosse, quand on est petit, on s'en souvient. Et elle est dans l'ascenseur, et elle fait des pleurs comme ça, nerveux. Et ma mère lui dit, mais qu'est-ce que vous avez, Madame Legros, qu'est-ce que vous avez? Elle répond, ils ont fusillé mon fils ce matin. Et en effet, son fils était un lycéen du lycée Buffon, et avec 4 autres lycéens, ils avaient créé un réseau, ils avaient distribué des tracts anti-allemands, ils avaient été mis à la porte par le proviseur, ce qui était une façon de les dénoncer. Du coup, les Allemands les avaient arrêtés, jugés, fusillés. Mais c'est quelque chose qui est très, très prégnant dans ma mémoire. Mais quand j'écris le livre, je regarde, ils ont été fusillés en fin 1943. Et moi, je n'étais pas à Paris en fin 1943. Donc, je n'avais pas pu vivre cette scène. Comment vous avez fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que ma mère, me l'ayant raconté plusieurs fois, et à cet âge-là, on se laisse imprégner, c'était tellement émouvant, tellement terrible, qu'à force qu'elle me le raconte, je connais l'immeuble, je connais l'ascenseur, je connais Madame Legros. J'ai fini par être absolument convaincu de l'avoir vécu. En revanche, 4 ans après, il y a eu une grande cérémonie en l'honneur des martyrs du lycée Buffon, donc Legros. J'y vais avec mes parents. Et qui fait le discours ? Le proviseur. Et là, Monsieur Legros monte à la tribune et lui fout son poing dans la gueule. Et ça, je m'en souviens. Alors là, je l'ai vraiment vécu. Et ça, je m'en souviens très bien. Comment il a fallu que vous travailliez votre mémoire, cette mémoire, notamment jusqu'en 57. Comment vous avez fait pour reconstituer tout ça ? Vous cherchez, vous collez avec les dates, vous racontez dans le livre que vos frères aussi vous aident à pouvoir vous souvenir parfois. Quelquefois. De toute façon, quelquefois, il faut enquêter. Quand vous parlez aux gens de la guerre, je parlais de l'Allemagne, mais en France, pratiquement tous les gens vous évoquent un père ou un grand-père qui a été résistant. Il y avait des résistants. Mais ce n'est pas forcément faux, parce que toutes les familles, il y a eu quelqu'un qui a sans doute plus ou moins résisté. Mais toutes les familles, il y a eu aussi des gens qui n'ont pas résisté. Et en vérité, il y avait une complexité dans chaque famille, une division, une ambiguïté. Et naturellement, la mémoire ne retient que ce qu'elle veut bien retenir. Et donc, en vérité, il faudrait enquêter à chaque fois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous nous cachez ? C'est les secrets de famille. Moi, j'en avais un comme ça. J'ai voulu enquêter. Et ma mère, j'ai demandé à ma mère la permission au moment de dire, écoute, est-ce qu'on peut le dire ? Bon, elle m'a dit oui.
Donc j'ai un père qui a été, qui est dès, 44, dès le juin 40, a essayé de rejoindre Londres. Tout de suite. Il n'a pas écouté le 18 juin, mais trois jours après, il a appris, il a essayé de rejoindre Londres. Il a été dénoncé par son colonel, parce qu'il y a aussi ça, et envoyé au camp d'Argelès. Vous connaissez tous, il y avait le camp d'Argelès, il a été emprisonné au camp d'Argelès. Donc il s'est sauvé. Déjà, première ambiguïté, en 42-43, il passe à la résistance armée. Son père, qui a l'étoile jaune, qui porte l'étoile jaune, le fout quasiment à la porte en disant « Je ne veux pas d'un fils qui collabore avec des bandits. » Les bandits étaient les résistants. Donc déjà, alors qu'il avait l'étoile jaune et qu'il était anti-pétiniste. Donc vous voyez déjà l'ambiguïté. Mais j'ai une grand-mère que je ne connais pas, la mère de ma mère, d'origine suisse-allemande, je ne la connais pas. Pourquoi je ne la connais pas ? Vous n'en avez pas parlé ? Parce qu'elle ne voulait pas me connaître. Et pourquoi cette grand-mère ne voulait pas connaître ses petits-enfants ? Parce que j'avais un nom juif. Et pourtant, en plus, je suis catholique, je suis baptisé, etc. Mais j'ai un quart de sang juif, dont le nom. Et le seul fait que j'ai un nom juif, ma grand-mère, qui était fasciste et raciste, n'a pas voulu me connaître. Donc, pendant l'occupation, elle a collaboré, c'était ses idées. Elle était la maîtresse d'un officier allemand. Elle vivait avec lui dans la banlieue. Quand Paris a été libéré par les résistants, ils sont venus là pour la fusiller. Mais elle était partie la veille, elle avait raison d'ailleurs de son point de vue, elle était partie la veille avec des Allemands qu'elle avait poursuivis dans leur retraite. Elle met des bijoux, de l'argent dans une petite valise pour partir avec eux. Et au cours de la retraite, son amant allemand la tue d'une balle dans la tête pour lui voler sa valise. Ce qui fait, vous voyez ce que je pourrais raconter, ce qui fait qu'à un moment clé, à une seconde près, alors que j'aurais pu avoir une grand-mère fusillée pour collaboration, j'ai une grand-mère assassinée par les nazis. Donc je pourrais dire, ah moi, ma grand-mère, elle a été assassinée par les nazis, pour cacher l'autre aspect de l'histoire. Et ça me frappe d'autant plus que je me souviens quand les gendarmes sont venus, trois ans après, annoncer à ma mère qu'on avait retrouvé le cadavre de sa mère, je dis, madame, on a une information pour vous. Et quoi ? Bah oui, soyez courageuse. Quoi, votre mère, ah oui, elle a été tuée, elle est morte. Comment ? Elle a été assassinée. Elle a été assassinée. Par qui ? Par les Allemands. Et ma mère a ce cri du cœur, ah, je préfère. Dans votre livre, il y a énormément... On voit bien le recul que vous avez sur ce qu'est la mémoire, ce qu'est l'histoire, ce qu'est l'ambiguïté de l'histoire. Par exemple, dans ces interrogations, vous avez cette phrase qui est à la fois définitive et magnifique, très vraie, qui est « les images restent, les discours pas du tout ». Le discours s'oublie. Comment vous êtes arrivé à cette conclusion après des décennies comme journaliste à vivre le théâtre de l'histoire, finalement ? Vous racontez notamment au Vietnam, alors que vous avez connu les horreurs de la guerre d'Algérie, une main avec une alliance qui sort d'un drap, quelqu'un manifestement mort, qui vous marque finalement plus que d'autres choses beaucoup plus horribles que vous avez pu voir. Il y a deux aspects dans ce que vous dites. Le premier, c'est que j'ai relu les mémoires de Chateaubriand, donc les mémoires d'Outre-Tombe, et les mémoires formidables d'Alexandre Dumas. Et dans leurs mémoires, qui en vérité sont des œuvres littéraires, ils disent, voilà, moi je raconte telle personne, Louis XVIII, par exemple, il me dit, pendant quatre pages, à ce qu'il dit, ou bien je rencontre tel personnage, il me dit, ça s'appelle un dialogue. Mais c'est impossible. Au bout de 30 ou 40 ans, personne ne peut se souvenir d'un discours de quelqu'un avec toute argumentation, ni d'un dialogue. Donc c'est littéraire. Moi, j'ai été confronté à ça. Un jour, quelqu'un, par exemple, j'ai eu une conversation très longue avec Albert Camus. Quand j'étais jeune, je ne me souviens pas d'un mot. Je pourrais inventer, ce serait formidable. Surtout, je sais de quoi on a parlé. On a parlé du mythe de Don Juan. Et un jour, quelqu'un me dit, il y a le nouveau roi du Maroc, Hassan II, qui vient à Paris, il faudrait que tu l'accompagnes au palais du Louvre, au musée du Louvre. Bon, je dis d'accord. Bon. Donc je me pointe, je vais au musée du Louvre en accompagnant Hassan II. On arrive.
Naturellement, ils avaient complètement vidé le musée du Louvre, il n'y avait personne, il y avait un trône et quatre fauteuils autour, dont un pour moi. Et j'étais étonné parce que je me disais, mais je ne comprends pas, on doit visiter le musée, on nous assoit dans un fauteuil. Et en effet, j'ai très vite compris, c'est qu'on n'allait pas visiter le musée, c'est le musée qui allait nous visiter. C'est-à-dire qu'on était assis sur un fauteuil, je vais vous faire rêver là, et ils avaient mis les plus beaux tableaux sur des roulettes et ils les roulaient devant nous. Donc nous, on était comme ça, peinards. Ça ne vous est jamais arrivé, hein. Personne n'a visité un musée comme ça. Et donc, on était roulés, et hop, on roulait les tableaux. Et qui commentait chaque tableau? Malraux. Et donc, pas mal. On roulait les tableaux et Malraux commentait. Vous imaginez si j'avais pu reconstituer ce que disait Malraux sur les tableaux? Mais pour dire la vérité, je ne me souviens pas d'un mot. Vous n'avez pas voulu prendre de notes? En revanche, ah ben non, on ne pouvait pas. En revanche, ce que je me souviens très bien, c'est qu'à Sainte-Deux, il n'en avait rien à foutre des tableaux. Alors franchement... En revanche, son obsession, c'était de voir la Joconde. Or, Malraux, pour faire le malin, n'avait pas sélectionné la Joconde. Et donc, plus il voyait qu'il n'y avait pas la Joconde, plus il se décomposait, le roi Hassan II. Et ça, je m'en souviens très, très bien. Parce qu'on se souvient beaucoup des images. Le deuxième élément que vous évoquez, qui est très important, c'est qu'on dit toujours, mais comment les Allemands, ils ont-ils pu accepter ce qu'ils ont accepté? Comment les Russes ont-ils pu accepter? Ou l'Algérie, nous-mêmes. Et finalement, une des choses que j'ai découvertes, c'est à quel point l'habitude, la répétition, peut finalement peu à peu tout normaliser. Un point qu'on n'imagine pas. Quand j'ai été en Algérie, couvrir la guerre d'Algérie, c'était avant la fin, avant l'OAS, j'ai assisté à un attentat horrible et je n'ai pas pu écrire d'article tellement je tremblais. Je tremblais tellement que je n'arrivais pas à écrire. Je n'ai pas pu l'écrire. Or, 4 mois après, je suis avenue Michelet, la rue principale, avec un Anglais, un journaliste anglais. Ce journaliste anglais avait quelque chose de particulier, c'est qu'à chaque fois qu'il était confronté à une émotion forte, il chantait « Ne reviens jamais, horrible tango ». J'ai jamais compris pourquoi. C'était une chanson de Charles Trenet, ça lui provoquait ça. C'est bizarre. Et donc, on parlait, on était avec beaucoup de fougue, on parlait. Il y a un type qui vient en sens inverse, un arabe en l'occurrence. Alors il y avait très peu d'arabes qui s'aventuraient dans les quartiers européens, et le contraire également. Il nous croise, et au moment où il nous croise, un Européen le dépasse, et paf, une balle dans la tête, le tue d'une balle dans la tête, et il tombe devant nous. Et nous, on continue à dire, on le contourne. Et on continue à discuter. Et tout à coup, on s'arrête. On dit, mais attends, mais c'est incroyable ce qu'on est. C'est incroyable. On en a tellement vu depuis des mois qu'on continue à discuter. Là, on vient de tuer un type d'une balle dans la tête. Il faut dire que c'est incroyable parce qu'il est tombé comme un oiseau d'un fil. Sans soubresaut, sans un cri, sans rien. Il y avait quelque chose d'absolument irréel. Et naturellement, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est mis à chanter « Ne reviens jamais, horrible tango ». Et vous faisiez quoi? Or, c'est d'autant plus... Donc déjà, il y a cette réflexion. Comment ça se fait? Comment on peut arriver? Alors vous dites, vous êtes devenu insensible. Or, un an après, couvrant cette fois une guerre entre Algériens, à limite, c'était entre Algériens, ça ne me concernait absolument pas, je pointe sur une route où il y a un corps recouvert d'une couverture verte, un cadavre, avec sa main qui dépasse, blanche, et une alliance. Et tout à coup... Ce simplement cette couverture verte avec une main qui dépassait m'a provoqué chez moi une émotion absolument inouïe. Et donc c'est très compliqué, qu'est-ce qui fait que tout à coup vous êtes devenu insensible, ou au contraire que quelque chose qui peut apparaître un détail vous met dans un état presque comme ça aussi fort, ouais, c'est terrible, c'est aussi traumatisant. Vous le dites d'ailleurs dans le livre que ça vous poursuit, que ça vous a poursuivi très très longtemps cette image. J'ai vu cette main très longtemps. De toute façon, je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne retient pas les discours ni les dialogues. Ce qu'on retient, c'est des phrases, du son ou des images. Un jour, il y avait une guerre en Cisjordanie. C'est un truc qu'on a appelé, pour ceux qui s'en souviennent, Septembre Noir. Septembre Noir. C'est-à-dire, entre les Palestiniens et les soldats de Hussein et Jordanie, il y a eu... Bon, j'étais à Amman, il y a eu une grande bataille dans la ville.
les Palestiniens, des commandos palestiniens sont arrivés, ont bouclé l'hôtel où on était. Mais le hasard faisait que j'étais sorti un quart d'heure avant parce que j'avais un rendez-vous. Je me suis retrouvé au milieu de la bataille. Alors déjà, je me suis retrouvé au milieu de la bataille. Et vous me direz... Parce qu'il y a quelque chose qui est... Vous êtes journaliste. Les journalistes sont tous adeptes d'une philosophie qu'on appelle l'empirisme ou le positivisme. C'est-à-dire, il y a un philosophe empiriste anglais du 18e qui a résumé ça en disant « être, c'est être perçu ». Si je vois, c'est vrai parce que je l'ai vu. Et il faut que je l'ai vu pour pouvoir dire que c'est vrai. Ce qui, naturellement, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, est totalement faux, parce qu'on n'a jamais vu les dinosaures, et pourtant, on sait qu'il y a eu des dinosaures. Et on voit que c'est le soleil qui va au zénith, qui se tourne, donc on voit, tout le monde voit que le soleil tourne autour de la Terre. Mais en fait, ce n'est pas vrai, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Donc c'est une illusion, le fait qu'on sait par ce qu'on voit. Et à la guerre, c'est particulièrement vrai, que c'est incompréhensible. Et donc, j'étais au milieu de cette bataille, donc le mitraillette, les mitrailleuses, les machins, les grenades, je pouvais raconter de l'ambiance, hein, j'aurais pu faire de l'ambiance, mais je n'ai rien compris. D'abord parce qu'une bataille, c'est des gens cachés derrière un mur qui tirent sur des gens cachés derrière des murs, et vous, des cachés derrière un mur, vous regardez les gens cachés derrière un mur qui tirent des gens cachés derrière un mur. Donc vous ne comprenez strictement rien. Donc je ne savais même pas qui avait gagné, hein, pour vous dire la vérité. J'ai rien compris. Quand je suis rentré à l'hôtel, j'ai rencontré les journalistes qui étaient bouclés, qui n'avaient absolument rien vu. Et c'est eux qui m'ont expliqué. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas les journalistes qui n'avaient rien vu, qui m'ont expliqué le sens de ce que j'avais vu, j'aurais rien compris. Ils avaient écouté les radios, radio RTL, radio machin. Ils m'ont tout expliqué. Donc déjà, il faut bien voir, il faut bien comprendre, que comme Stendhal le montre dans la Chartreuse d'Octave, que ce n'est pas vrai, que c'est vrai parce que j'ai vu. C'est plus compliqué que ça. Mais quand je suis revenu de cette bataille, j'ai été arrêté par un groupe de Palestiniens et on avait loué la voiture. Et dans la voiture, il y avait un fusil. Ça ne les dérangeait pas du tout qu'il y ait un fusil, parce que tout le monde avait des fusils. Mais en revanche, ce fusil, au bout, il y avait un silencieux. Alors, il regarde, il dit, mais c'est quoi ça? Ah, j'ai dit, c'est un silencieux. Ben, c'est quoi un silencieux? Ben, c'est pour tirer sans que ça fasse de bruit. Il me regarde, halluciné, ça leur semblait bizarre. Ils s'éloignent, le groupe, ils essayent, ils tirent, et le mec, il revient, et à ce moment-là, il a cette phrase qui, pour moi, m'est restée dans l'esprit, parce que pour moi, ça symbolise tout le problème palestinien. Il me dit, mais à quoi ça sert de tirer si ça ne fait pas de bruit? Incroyable. Et c'est profondément, on voit, tout le problème est là, d'une certaine manière. Et donc, c'est vrai qu'on se souvient de... voilà. Un jour, bien après, j'ai rencontré, je ne sais pas si ça vous dira quelque chose, Simone Weber. Ça vous dit quelque chose, Simone Weber? Bien sûr, Simone Weber. C'était une dame de Nancy, qui avait été accusée d'avoir tué son amant, de l'avoir découpé en rondelles. Et elle avait tué un autre, d'ailleurs, elle a été accusée d'avoir empoisonné un deuxième. Elle a toujours dit qu'elle était innocente, mais elle a été condamnée, et bien après qu'elle soit sortie de prison, je la rencontre. Je la rencontre dans une émission. Et je lui dis, mais madame, quand même, on peut se poser des questions. Vous êtes chez vous, la nuit, 2h du matin? Vous prenez une petite valise, vous sortez la nuit, vous rentrez chez vous, vous ressortez avec votre petite valise, vous rentrez chez vous, puis vous ressortez avec vos petites valises, vous rentrez chez vous. Avouez qu'on peut se poser des questions. Et elle me regarde comme, mais quoi? Ça vous est jamais arrivé, vous, un soir, vous n'arrivez pas à dormir, d'avoir envie de faire du ménage? Et cette phrase ne m'a jamais quitté. Je pense toujours à cette espèce de... Donc on se souvient, je veux dire. Et alors, pour aller jusqu'au bout, pour ce qui est des images, j'ai passé une nuit un jour, enfin deux jours et deux nuits, dans le centre de Sœur Teresa. C'est terrible. Parce que vous ne pouvez pas imaginer cette espèce de résumé de misère totale, atroce, sans espoir, ces corps déchartés, bouffés par la lèpre et tout. Et ces femmes, les bonnes sœurs, souriantes malgré tout, alors qu'il y avait de quoi se suicider. Et en plus, ça ne servait à rien. Mais c'était des saintes, profondément des saintes. Et à un moment, une des bonnes sœurs, elle appelle une dame qui avait le dos tourné, qui se retourne, et cette dame,
avait le visage lisse comme un œuf qu'avec des trous. Et ça m'a, toute ma vie, pas tout le temps, mais sans arrêt, revenu l'image de ce visage. Vous imaginez l'impression que ça donne, ce visage lisse comme un œuf qu'avec des trous. Donc voilà, c'est des images et des sons, ça on retient. Alors il y a des portraits dans ce livre de gens que vous avez croisés. Il y a Le Che, vous avez parlé, il y a Nasser, vous avez parlé d'Hassan II. De tous ces personnages que vous avez pu croiser, est-ce qu'il y en a un que vous retiendrez davantage que d'autres? D'abord, il y en a deux, mais un surtout, c'est Che Guevara, parce que Che Guevara, il y avait un autre qui s'appelait Lumumba, qui était peut-être plus Patrice oublié. Lumumba. Parce que ces deux-là, je ne pourrais pas expliquer, c'est un peu irrationnel ce que je vais vous dire. Mais d'abord, ils avaient des têtes de posters. C'est-à-dire que Che Guevara, quand je le regardais, je vous jure, j'étais sûr qu'on ferait un poster avec sa tête, tellement il avait déjà la tête du poster. La fameuse photo existait déjà, c'était déjà un icône, non, pas du tout. Non, n'existe pas, mais on voyait qu'on allait faire un poster. Et secondement, les deux avaient une tête de Jésus-Christ. Et tous les deux sont morts comme Jésus-Christ. Et c'est un truc qui m'a... C'est irrationnel ce que je dis, c'est absurde. Mais j'ai toujours été frappé par... Ils sont morts, ils ont eu une sorte de calvaire comme Jésus-Christ, et Lumumba, et Che Guevara, et ils avaient des têtes de Jésus-Christ. L'autre chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que j'ai accompagné le général de Gaulle à Phnom Penh. Et quand le général de Gaulle, on sortait d'une période en France où la France, n'avait, à cause de la guerre d'Algérie, était montrée du doigt, où elle n'avait plus aucune diplomatie, où elle était décriée. Enfin. Et là, à Phnom Penh, de Gaulle monte, un petit stade avec une foule énorme. Et de Gaulle, au nom de la France, parlant au monde, par-dessus les États, par-dessus les empereurs, par-dessus les rois, par-dessus les présidents, et au nom de la France, parlant aux gens, parlant au peuple, et disant ce qu'on n'osait pas dire pour condamner la guerre du Vietnam, la période. Et franchement, je frissonnais presque de fierté d'être français. Et pourtant, je n'ai pas toujours voté pour De Gaulle. Hein. Il m'est arrivé d'être bon. Mais c'était extraordinaire. Est-ce que, vous avez beaucoup travaillé, je pense qu'il y aura d'autres tomes d'ailleurs, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez oublié finalement, ou est-ce qu'on peut se souvenir de tout? Vous l'avez dit au début, hein, si on se souvenait de tout, on se souvient de rien. Mais est-ce que vous avez quelque chose que finalement, une fois les livres imprimés, vous avez dit, mince, ça j'ai pas raconté? Non, parce que quelquefois j'ai eu du mal à retrouver. Mais je vous dis, il se trouve que j'ai écrit, j'ai pris des notes. Oui. Donc, dans l'ensemble, j'ai... Mais en revanche, il ne faut pas croire que ce qui nous marque, ce qu'on intègre comme ça dans son souvenir, c'est forcément des événements de grande politique qui ont changé le monde. Il y a des choses que la vie ordinaire, quelque part, prend une importance considérable. Bon, un jour... Je prenais très peu de vacances quand je dirigeais les journaux, mais entre deux directions de journaux, je prenais une vacance. Donc un jour, je vais en vacances avec mon épouse au Club Méditerranée. Et alors, sort de la grande histoire, là. Vous avez été au Club Méditerranée, déjà, on payait avec des boules, enfin bon. Et on était au bar en attendant de déjeuner. Et là, il y avait une dame, une américaine, très élégante. C'était un couple américain. Son mari, il était du genre Tarzan, poilu, baraqué, etc. Donc, il faisait son dernier crawl, etc. Bon, il sort de l'eau, dégoulinant. Justement, il fait le cri de Tarzan. Oh, hop, et paf, il tombe. Or, comme on est au Club Méditerranée, on est en vacances, tomber mort ou presque mort, ça fait désordre quand on est en vacances. Donc, paf, on le met tout de suite de côté. Et on l'emmène dans sa cale. Et aussitôt, ils lui font la respiration artificielle, ils lui mettent un miroir sur la bouche, ils voient rien, le type ne bouge pas, ils appellent le médecin arrive, il fait tous les examens et tout. Au bout de 10 minutes, il dit, écoutez, plus rien à faire, il est mort. Oh, vache. Donc ils sont quatre, qu'on appelait les gentils organisateurs. Ils en laissent un dans la chambre, la case. Puis il y en a trois qui vont prévenir son épouse, parce que son épouse, elle est au bar. Et il marche très lentement, parce que pour des raisons qui m'échappent,
quand on vous portait une mauvaise nouvelle, vous marchez lentement, comme si ça allait changer la nature de la nouvelle. Et donc, il marche très lentement, puis arrive, et madame, oui, on a une information pour vous. Ah bon, quoi ? Votre mari ? Quoi, mon mari ? Il lui est arrivé quelque chose. Ah bon, quoi ? Un accident ? Ah bon, quoi ? Il est mort. Nous, on est glacés. Et tout à coup, champagne pour tout le monde, elle s'écrie. Donc, on était étonnés. Elle est ce salopard avec ce qui m'a fait vivre, enfin débarrassé, enfin libre. Ah, oh, c'est formidable, champagne, champagne. Le problème, mais il y en avait un quatrième qui était resté dans la case, des quatre. Et lui, comme il continuait nerveusement à lui faire la respiration artificielle. Ah, ah. Bon. Et tout à coup, il entend crac, parce qu'il lui avait défoncé deux côtes. Le problème, c'est qu'après crac, ce qui est très très rare, il entend ouille. Et les morts qui font ouille sont très rares. C'est des cas. Alors il appelle le médecin qui vient, qui fait, il dit, il n'est pas mort. Mais là, mais il faut aller prévenir son épouse. Mais le problème, c'est qu'il marche toujours aussi lentement pour aller lui prévenir qu'il n'est pas mort. Et quand ils arrivent, il y a ce moment grandiose, c'est qu'ils lui disent, madame, soyez courageuse. Et alors, elle dit, mais quoi ? Elle dit, votre mari, il n'est pas mort. Et alors là, elle se met à les injurier. Vous n'imaginez pas, dire, mais je ne vous avais rien demandé, vous ne pouviez pas vous occuper de vos affaires, etc. C'est terrible. Bon, bref. Et finalement, ils se sont réunis pour savoir s'il fallait prévenir le mec de l'attitude de sa femme. Finalement, ils ont décidé de ne pas le prévenir. Et alors, il y a des moments aussi, alors, vous me direz, si vous voulez, où les deux, où la petite histoire et l'anecdote rejoint la politique. Alors, oui, vous m'avez raconté. Il y a une sorte de conjonction. Moi, j'ai un souvenir, ça n'a aucun impact politique, aucun, mais il se trouve que vous verrez. C'est important de le préciser. Ça rejoint la politique. C'est que j'avais des relations vraiment d'amitié avec Chirac pour lequel je ne votais pas. Si j'ai voté pour lui, tout le monde a voté une fois pour lui. Mais j'avais des relations d'amitié. D'abord parce que c'était bouffer avec Chirac, c'est sympathique quand on aime manger, je peux vous dire. Un jour, je l'avais invité avec des amis à déjeuner. Il s'était trompé dans son agenda. Et il avait pris deux déjeuners, dont un avec sa fille. Chez nous, il a pris du pot-au-feu. Il avait pris de la choucroute avec sa fille. Il grossissait pas, en plus. Et donc, je l'invite à déjeuner. Mais je ne savais pas... Il n'était plus président. Hein, c'était après qu'il soit président. Mais je ne savais pas qu'il était déjà très fatigué, comme on dit. Bon, je l'invite. Il vient avec une jeune fille qui s'occupait un peu de lui. Parce que, bon. Et... Je ne vois pas pourquoi les gens rient. Et il n'arrivait pas à énoncer des phrases. Tout son visage montrait ce qu'il pensait. C'était très expressif. Je peux vous dire que quand on parlait de Sarkozy, son visage montrait vraiment ce qu'il pensait. Mais il n'arrivait pas à exprimer quelque chose de construit. Sauf une fois où il a montré son visage, a montré qu'il a dit quelque chose, qu'il allait dire quelque chose de considérable. Donc on a attendu avec moi, on s'est extasié, et il a dit, on parlait de géopolitique, il a dit, il faut bien comprendre que la Chine est un très grand pays. Il s'est arrêté, et après il savourait quand même l'ampleur et la profondeur de ce qu'il venait de dire, et nous on a aussi montré que c'était très important. Et puis, de nouveau, il ne disait plus rien. Puis la dame, la jeune fille qui était avec lui, à un moment, elle dit, Monsieur le Président, est-ce que vous avez vu, je ne sais pas, sur les vidéos, sur les réseaux sociaux, on voit... Clara Bruni. Carla Bruni. Carla Bruni. Très déshabillée. Oh, dis donc. À l'instant où on a parlé de cul, il a retrouvé tous ses moyens. C'est-à-dire, mais je ne croyais même pas que ça pouvait exister. Je ne croyais même pas que c'était possible. Tous les mots lui venaient, les phrases, etc. C'était absolument inouï. Et alors, comme on voyait que ça lui faisait plaisir, on lui raconte l'histoire de Carla Bruni. Par exemple, à un moment, elle était avec Fabius. Après, elle est passée à Antoven et au fils d'Antoven, etc. Et au bout de 10 minutes, c'est très... Il nous parle d'une voix presque enfantine. Il dit, dites-moi,
l'histoire de Carla Bruni qui est passée. Vous ne pouvez pas me la raconter de nouveau? Et c'est vrai que. Mais c'est injuste en même temps ce que je dis, parce que moi, j'ai eu des discussions avec Chirac. Il avait une conversation très intéressante. Hein. Là, bon, il était un peu amoindri, un peu affaibli. Mais dans l'ensemble, contrairement à ce qu'on dit, il avait beaucoup de culture, parlait oui. très intelligent, très intelligemment de la littérature russe, de la poésie. Par exemple, je faisais partie, j'étais son adjoint dans le conseil d'administration de la maison de la poésie à Paris. Mais il connaissait très bien la poésie. Il avait un vrai goût pour la poésie. Mais là, bon, il était un peu amoindri, mais je me souviendrai toujours de ce déjeuner, parce que c'est quand même... Je ne croyais pas que ça pouvait exister. Ce phénomène. Mémoire d'outre-vie, pourquoi vous... Bon, on voit très bien le clin d'œil, évidemment. Pourquoi vous voulez... Pourquoi outre-vie? C'est quoi le... Qu'est-ce que vous avez voulu dire là, en appelant comme ça ce non, livre? Non, parce que Chateaubriand écrit ses mémoires d'outre-tombe parce que c'est oui. pour après sa vie. Oui. Comme moi, je l'écris de mon vivant, j'ai dit que c'était des mémoires d'outre-vie. T'es aussi bête. Je pense que là, on rejoint parfaitement l'envie de vivre... la thématique de ce festival. Je vais revenir sur ce parcours que vous avez eu quand vous vous retournez, certes sidéré en vous rendant compte voilà, de ce que vous avez vécu, c'est-à-dire ce dont vous avez été le témoin. Qu'est-ce que vous retiendrez finalement au bout du bout, peut-être pas forcément des souvenirs, peut-être pas des anecdotes, mais de votre parcours de journaliste, qu'est-ce qui finalement retient au bout de ces mémoires d'autre vie, votre attention? Tout ce que j'ai été amené à dire, dans la mesure où ils ont impacté ma mémoire, qu'ils l'ont imprimé, c'est par définition des choses que je retiens. Je ne peux pas dire difficilement classable. Aujourd'hui, ce que j'aurais tendance... à me reprojeter. Et quand je dis reprojeter, c'est vraiment ça. C'est compte tenu de ce à quoi on assiste. Finalement, je vous aurais dit ça il y a 20 ans. Je vous aurais dit il y a 20 ans des extrêmes droites à 32%. Une droite républicaine quasiment disparue. Une social-démocratie qui s'est envolée et vendue. Une guerre comme on ne croyait plus que ça pouvait se dérouler en Europe. Un parti fasciste en Israël qui fait 15% des voix et qui va faire partie du gouvernement. Si je vous avais dit ça, vous l'auriez cru? Et donc, ce qui m'obsède aujourd'hui, c'est comment on en est arrivé là. Et donc, c'est la tendance à me reprojeter le film en disant, repérer comment on est revu là. Comment plus, je suis totalement convaincu que la responsabilité des médias est énorme, de gauche et de droite, et que j'ai vécu dans ce milieu-là, au cœur des médias, il est évident que pour moi, décrypter en quoi les médias ont contribué à cette dérive, à cette situation qui peut être très inquiétante, parce que demain, je ne vous dis pas ce que peut être les conséquences, c'est quelque chose qui m'obsède. Est-ce que ce n'est pas aussi, finalement, la question de la perte de mémoire des peuples? Non, ça, je n'ai pas peur. J'ai la perte des noms propres. Mais de toute façon, je dis à ma femme, parce que tu sais, la preuve que je vieillis, c'est que je n'arrive plus à me souvenir des noms propres. Elle me répond, mais de toute façon, même quand tu avais 30 ans, c'était pareil. Alors... Jean-François Coin, merci beaucoup pour ces souvenirs et pour cette mémoire intacte. Vous signez là, non? Comment? Je vous dis que je vais signer. Alors, oui, important à dire, il me le rappelle, c'est important. Vous retrouvez dans le salon, à droite de l'entrée, j'ai plus le nom, Jean-François Kahn qui va signer son livre, avec plaisir, ces deux livres, les deux tomes de Mémoire d'outre-vie. Merci.